pense que j'étais prêt à faire une folie. J'étais dû pour faire une folie dans ma vie, une folie assez d'envergure. Puis je savais pas quoi. J'ai continué à travailler et essayer de lutter pour garder mon esprit dans le système, et ça marchait pas. Suite à une crise interne assez aiguë, l'idée est venue de partir, marcher, faire un tour du monde à pied. I have John Billy Bow with me, and if you would like to do the interview. Yeah, thank you. Comment vous avez commencé l'idée de faire ce voyage? Bon. Et qu'est-ce que vous faisiez avant de faire ce voyage? Bon, ce que je faisais, j'étais vendeur d'enseignes lumineuses. Mm-hmm. Vous comprenez. Puis, j'ai eu comme, on peut dire une espèce de petite dépression. Como é que surgiu a ideia de você fazer essa caminhada e colaborar? A UNESCO, há uma década internacional da promoção da paz em benefício dos meninos 10 anos. Então, eu vou por 12 anos, é igual, igual coincidência, e dedicamos todo este projeto pela paz das crianças. Je suis parti de Montréal, ça fait déjà 2 ans et 10 mois. J'ai traversé les États-Unis, le Mexique, 6 pays en Amérique centrale. Après l'Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine. Après ça, l'Uruguay. Et maintenant, c'est mon dernier pays. Le Brésil, dernier pays en Amérique. Boa tarde. Tudo bom? Meu nome é Jean. Sou um louco caminhante que vem do Canadá, caminhando todo. Faz quase 3 anos desde o Canadá. Então, sim. E tu tens Canadá, Canadá? Poder preparar-me um caldo. Quando eu fui parti, aussi, ça a été avec un esprit que je partais explorer d'autres mondes. J'ai jamais voyagé avant, et puis j'étais pas vraiment au fait de l'actualité. Ça a été un changement drastique pour moi, et je suis pas dans une automobile, je suis avec les gens. Tout ce qui était de grande richesse matérielle, je me disais, c'est pas nécessaire. Je me suis rendu compte de valeurs différentes. Muito obrigado, muito obrigado. Ça, c'est du jus de canne à sucre. Que de temps en temps, je me prends un petit verre comme ça. Parce que c'est l'énergie, hein? C'est naturel. Et, donc, à chaque pays, il y a toujours des petites choses comme ça, des petits kiosques là, qui sont des choses du pays. Mira, temos un arbre, es eso, au Canada. Entonces, muito grande, hein? Et fazemos un. Hay un tubo que sai agua. Hein? Entonces, depois, cozinhamos a água e faz um suco muito sabroso, muito bom, vinho muito bom. Então, esse é o açúcar do meu país. Se chama Érable. Na minha vida, avant, j'avais l'impression d'être toujours endetté de temps, de toujours à la course. À un certain moment donné, je me rappelle travailler comme un fou des nuits, puis tout ça. Et puis, pas avoir de temps pour mes enfants, pas avoir de temps pour moi. C'était comme si j'étais embarqué dans un monde qu'on a une espérance de devenir riche au niveau de l'argent,
Donc, on court après. On court après, on court après. Il y a une espèce de fatigue qui s'installe à l'intérieur. J'ai une fatigue. J'ai besoin de m'acheter un bonheur. J'achetais des petits bonheurs qui, finalement, me donnaient pas le fond de ce que j'avais besoin en dedans. Donc, je suis arrivé dans le mur. J'ai eu les épaules collées au mur, puis il fallait que j'arrête ma vie, arrêter complètement ma vie. Quand l'idée m'est venue de partir, ça a été un moment de délivrance. Vraiment, la dépression, elle a cassé. Ça a été là que ça a arrêté complètement. Là, tout de suite, j'avais un objectif de vie et que je m'alignais là-dessus. Je me disais, j'aime mieux être mangé par les lions en Afrique que d'être mangé par la société. Donc, c'est un échappé que j'ai fait. Señora, si, disculpe, estamos buscando un lugar para dormir. ¿Se puede al puesto de policía? ¿A Baraka? ¿A tu puesto, el puesto de policía? Ali, si vamos, ¿podemos armar a Baraka, Ali? ¿Vaya, pues comenzaba? Sí, entiendo. Si se puede. Al fondo. Entonces. El consejo. Yo tengo. No sé si es un buen querer, ¿entendido? De que anda para dormir ali na parte, adentro? Dentro ali. Adentro. Aqui na... Olha bem, tem essa parte aqui da carceragem ali, sabe? Sim, por favor. Pelo menos não vai ficar no tempo, né? Não sei. É frio aqui, é muito frio aqui. É frio. Dá uma esfriada, gente. Muito frio. Aí acende a luz? Sim. Tudo bom, para mim, muito bom. Aqui também. Sim. Então... Aí lá atrás tem banheiro. Sim. Há luz? Não? Alô, há luz? Tem. Sim. Se quiserem montar aqui no chão? Sim, muito bom. Eu dormi dans des maisons abandonnées, dans un mausolée, sous les ponts, dans les bois, sous les calvettes, hein, les calvettes de route. Dans les montagnes, dans le désert, où j'ai dormi. beaucoup de situations spéciales. Moi, j'ai besoin de toucher, de sentir, de voir, de goûter, même s'il y aurait un certain petit risque dans tout ça. Chacun, on a nos manières d'apprendre les leçons. Et puis pour moi, ça me satisfait de cette façon-là. Parce que trop réaliste, je pense qu'on en perd. On perd tout. Faut garder cette naïveté-là d'enfant qu'on a dans notre cœur. Puis ça, je pense que je le dis. Puis je pense que c'est grâce à cette naïveté-là que je suis en train de faire un beau voyage. Ah, est-ce fruta? Est-ce c'est ça, hein? Oh, se grite assim, é muito bom. Aí, olhou? A ver? Pode. Viu? Uau! Muito poderoso! Oh. Tudo isso? É, isso aí faz enxergar. É um presente? É. Bem seco, né? É. C'est sec, c'est très sec, c'est poudreux. Et toi, pour que tu saches quelque chose, prends-le ici. Bon, regarde, con confianza. Yeah. Si, ciao, adios. Yeah. Si. Moi, dans le milieu scolaire, j'étais dans les derniers rangs. J'ai arrêté l'école en 8e année, c'est le secondaire 1 dans ce temps-là. Parce que j'étais pour le tripler. J'avais de la misère à rentrer dans un système qu'on appelle rangé académique.
un peu comme dans la société de travail, dans mon cas aussi. Je pense que la marche, pour moi, c'est en plein ce qu'il me faut pour apprendre du monde, sur le tas. Sincère pour ton anniversaire. Jean, je prends de l'avance pour ta fête de 48 ans. Car en Afrique, ce sera très loin. Mais le 18 août, c'est certain que toutes mes pensées seront pour toi, ta mère Yolande, de Tibec. Ah, mon vieux papa. J'aimerais ça revoir mon vieux papa. Quand je suis parti, moi, je laissais de côté les enfants, Thomas Eric, qui à ce moment-là avait 20 ans, et Lisa Jane, à ce moment-là, avait 18 ans. Oh, ils ont tous des petits mots en arrière. 2 ans et 4 mois. Elisa m'avait dit avant, papa, je suis enceinte. J'ai dit, Elisa, pour 10 ans, je ne connaîtrai pas ton bébé, je vais te connaître au retour. La petite bébé, Laurie. C'est super. OK. On va passer à d'autres choses, là. La lettre. J'ai eu la chance d'avoir une compagne qui est extraordinaire, Luce, qui m'appuie 100% dans ma démarche. Le jour où je lui ai parlé que je partais pour un tour du monde à pied, le choc, elle a eu, hein? Et puis, après, ça n'a pas pris de temps, là. C'est une fille qui revient vite, là. Bon, maintenant, on est dans une situation, on embarque dedans, je t'appuie, puis on va le vivre, ça. Luce est venue à Jack Noël. Ça fait des distances assez longues, hein, pour une vie de couple, mais c'est des choses que je pense qu'on peut faire. Des fois, la distance nous rapproche. Des fois, on est proche et ça nous éloigne. Tu sers de avion de là? Caminando, à pied. Toi, à pied. Bon, rien pour elle. Personnage? Oui. À partir d'ici, Canada. Depuis les États-Unis, Mexico, Amérique centrale, Ecuador, Pérou, Bolivia, Chili, Argentine, Uruguay. Et estamos aquí. Hein? Brésil. Hein? Depuis, Africa. Un tour du monde à pied, il faut être organisé, il faut avoir des techniques. Tout le temps préparé à montrer, je montre mon livre. Une dose. Quand je le présente aux gens, c'est tout le temps la même rengaine. Enfin, mille fois quand je le montre et que je le répète. Pour moi, c'est mon passeport. Ça devient une question de survie, hein? Non. Le premier respire d'un, ça y va. Ça va être un aiguille, tout. Les choses sont toutes.
Bon, pour eux, c'était comme pas possible parce qu'ils devaient demander la permission à leur propriétaire. Ça arrive qu'eux prennent la décision eux-mêmes, oui, on t'invite. Mon propriétaire, il vit très très loin, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, pour eux, c'était pas possible. On va continuer. Il y a des fois que je suis fatigué, j'ai fait du millage, du kilométrage, puis il me faut quelque chose à coucher. Là, je serais prêt à broyer pour vraiment avoir une place en paix. Là. Puis j'ai pas la patience de parler de mon livre. Mais à un certain moment donné, il faut accepter. Puis on y va de l'avant. Puis ça fait partie de l'affaire, ça fait partie de mon affaire. Bon, dans le fond, c'est pour toucher les gens, pour leur montrer aussi qu'ils peuvent avoir confiance en moi, qu'il n'y a pas de danger. Je connais mon périmètre à moi, qui me laisse à l'intérieur de leur maison, puis je le dépasse pas. Comme un pérégrino. Hein? Mm-hmm. Entonces, si no molestas, podría a mañana, voy a seguir, a caminar. No hay problema. A dormir. No. ¿Con confianza? No. Muchas gracias. Gracias, señora. Sí. En Africa, mes projectos, mm-hmm. Le Camino. Mais je pense qu'à l'année A, voyager à qui? À Cape Town. Là. Cape Town. Comment ça dit ici? Ciudad. J'ai commencé à penser à changer mon projet de parcours en Afrique quand j'ai rencontré un professeur en géographie. J'avais fait mon projet sans penser à rien. Là, je voulais faire le plus de pays possible. Bon, ce qu'il m'a dit, c'est de changer mon parcours pour la partie Est, que ce serait beau. Ce serait beau, c'est des belles places. Et puis, historiquement, les premiers hommes ont passé aussi par l'Égypte. Onde sont los primeros homo sapiens. Puis aussi, la possibilité de conflit était moindre. Hein, parce que dans la partie ouest, on a beaucoup de conflits, pareil. Il y a des mines, c'est très, très miné. Et puis, bon, dans le fond, je cherche pas à faire le super-héros puis passer à travers. Des zones qui pourraient être dangereuses. Hein. L'idée, c'est d'arriver à Montréal, à la maison, avec succès. Amigo. J'ai bien hâte d'être là. J'aurais fait 19 000 km de marche à partir du Canada. Puis après, c'est l'Afrique. Mais c'est une photocopière, hein, de. Et moto brigado, parce que. Es un troco. ¿Eh? Un troco. Ay, el troco, ¿eh? Se llama en el brazo para él. Quand je suis parti avec l'idée de la décennie internationale pour promouvoir la paix et la non-violence pour les enfants, au début, les Américains. Un petit peu d'argent, de la nourriture, un toit pour continuer. Hein? Donc, je me suis dit, je suis un imposteur. J'ai pas ça vraiment dans moi, cette idée de paix-là. Là. J'ai eu comme une autre seconde dépression. Hein? J'ai continué ma marche et puis, peu à peu, la conscientisation est venue. Parce que c'est un monde réel que je rencontre. Je prétends pas changer le monde, c'est plutôt doux comme démarche. Moi, je veux faire un petit pas en avant, c'est tout. Ce que j'aime bien faire, c'est de rencontrer des organismes. Parce que quand j'arrive dans une ville, ça fait comme un événement, le marcheur du tour du monde est arrivé. Donc, on partage ça en bénéfice de leur propre organisme. Vem nos ajudar. Bom. Sempre fica alguma coisa muito positiva. Parabéns. Adelante. Parabéns. Isso, quem é você? Eu sou o príncipe. E quem é você? Meu nome é Rapunzel. Eu estou presa aqui faz muitos anos.
Les enfants, eux, bon, j'espère que par la folie que je suis en train de faire, ça va les inspirer aussi, que c'est possible de faire des folies dans ce monde dur-là. Donc, l'idée, c'est de partager. Ce que je souhaiterais, c'est que plus tard, ils puissent dire, bon, j'ai rencontré quelqu'un qui était à l'intérieur d'une grande aventure. Ça y est, quasi 13 ans, caminando, caminando à pied, à pied, à pied, à pied, à pied. Quelle date? Quelle date vous avez? 12, 21. Quand il a 21 ans, il est terminant de faire sa volta du monde. OK. Il y a des choses qu'on a coordonnées avec l'ambassade canadienne pour faire de la promotion de la paix pour les enfants à San Paulo. Et puis, avec le temps, bon, j'ai eu des petits retards. Qui fait que j'aurais besoin de 3 ou 4 jours hein, de plus. Puis je ne veux pas étirer l'ambassade, je ne veux pas étirer les choses. Donc, on va se rendre, on va dévier un petit peu, on va arrêter avant, comme un 200 km avant San Paulo. Je suis un peu fatigué, je vais baisser un petit peu le rythme pour baisser un petit peu la pression intérieure. Parikera, Asu, littoral. 1500 mètres. Bon, on va lâcher l'autoroute. Não é café. Não é café? Não. É cevada. Não é café? Não. Não. Parecido? Sim, um pouquinho. É que ontem também meu irmão ligou, o que é gêmeos comigo, né? E aí eu falei pra ele, ah, Rogério, você já viu uma reportagem, né, de um senhor que tá andando lá perto? Não, já vi, sim. Aí ele me perguntou, por quê? Não, porque ele tá em casa. Em casa? Eu suponho que esse... Quasi la última famille que m'invita à passer un tempo hein, la noche mm-hmm. en Amérique. C'est muito obrigado par la réception. Ah, non. Aquí, mm-hmm. Aquí en Dem, nous savions onde a dormir. Donc, muchas veces, rencontré. Ahora, bien cansé, listo, pronto para sair. Moi, c'est très chaud de camino, non? Mm-hmm. C'est ça. Tout bien. Ça, c'est bon. C'est beaucoup. OK. Fait qu'un s'aperçoit que man regalado. OK. Não sei o que é isso. Não sabe o que é isso? Não. Parece que há que cozinhar. Isso aqui é uma foto minha. Quer que eu leve? Tem mais um negócio escrito. Ah, não. Eu não tenho muitas coisas para escrever, mas só sei que quando você lembrar de mim, olhe sempre para essa foto, porque eu sempre estarei olhando por você. Boa sorte e boa viagem. Ah, vou deixar escrito para você. Quem é esse? Esse aqui é um dos jogadores de futebol do Brasil. Como você chama? Dunga. Dunga é famoso, bom. É, mas agora ele não joga mais, mas ele não. Foi muito famoso. Obrigado. Muito obrigado. Sim, obrigado por todo o carinho, a cama, tranquilidade. E agora, eu posso voltar aqui? Pode, qualquer momento. Oh, mira, eu tenho que me casar. Até mais. Boa viagem. Obrigado. Tchau, tchau. Adeus. Adelante. Bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ciel est beau aujourd'hui pour la fin de mes pas en Amérique. Je vais toucher à l'eau, je sais pas, c'est symbolique. Finir l'Amérique près de la mer.
fait longtemps que j'anticipe ce moment-là. Hein. Ça fait presque depuis le départ. Hein. Depuis le départ, en réalité, parce que je savais que c'était pour être important. Un moment important, la traverse pour l'Afrique. Aujourd'hui, samedi, belle journée. C'était la dernière journée de mon parcours à pied. Demain, je m'en vais en autobus. À São Paulo, on a déjà des entrevues de bouquet avec le consulat. Hein? La dame Dina va m'expliquer toute ma semaine. Alors, aujourd'hui, j'ai préparé mon chariot pour la dernière fois parce que j'ai un nouveau chariot qui m'attend à São Paulo. J'ai presque dit « Salut, mon vieil ami. » Bon, je pense que je suis préparé. Je pense que je suis en forme pour le faire. Je vais faire mon meilleur. Puis, un petit peu nerveux. Alameda e tu? Conheces? Conheces. Tu vives aqui na cidade? Nasci aqui em São Paulo. Ah, sim, muito grande cidade. Muito grande, viu? Sim. São Paulo é uma cidade grande. Conheces tudo? Não conheces tudo. Não conheço. Ah, quantos milhões de habitantes aqui? Bastante, viu? Bastante. Estoy aquí para pedir apoyo para cruzar otro lado en África. Cierto. Entonces, si podemos juntar la publicidad para que haya bastante atención. ¿No? Lo que a gente podría hacer es simplemente ofrecer una tarifa, que es una tarifa así, especial, ¿no? Un poco más baja, de $1,050. Porém, da mesma forma, ele disse que sería interesante, tal vez, o senhor procurar un apoyo do consulado da África do Sul. Sí, buenas tardes, señora. Sí, I am Canadian. I am here near of your office, and me gustaría. I want a meeting with you. Do you have some minute for me? Pardon? Te doy mi dirección. www.alk.org www.walk coming out. ¿Entendés? Bueno, entiendo. Muchas gracias, señor. Chao, chao. L'enfer. C'est difficile au téléphone s'exprimer. Je suis en train de faire une marche autour du monde. Là, elle ne crée pas ça, ne croit pas ça. C'est une joke. Là, je laisse le site pour qu'elle voit. Bon, OK, je vais voir ça. Là, je laisse un numéro de téléphone parce qu'elle demande pour appeler. Tu sais, si on a un appel, là, c'est une chance sur je ne sais pas combien. I'm going to be ready to get out the release to Agence Presse. Just some facts now. You've been sick? Twice? No, grip. Yes. You use 15 pairs of shoes? 17 pairs of shoes. His journey costs. How many Canadian dollars a year? Oh, Canadian. 5,000. Yes. Yo tenía un entrenamiento corriendo. Eso me daba la felicidad mente, la salud también, mi física. Y una vez corriendo pensé, yo puedo caminar hasta muy lejos, Nueva York, a México. Que você se sentiu ameaçado, você não sentiu nenhum risco? Assaltado? Assaltado? Não. Risco de algum alto riesgo. Passei, sim, minha vida é uma vida de alto riesgo. Há uma secção
cidade, não? Olha aqui, minha mãe. Yeah, estou aqui. Can I then see? So you are you traveling with this little push? Push, yeah. Yeah. Baby stroller. Baby stroller. Canadian. It's incredible. Yes. We must give him a flag, a salute. They are the Brazilian and the Canadian one is here. We must give the South African one here yes, too. Yes, good. When I will arrive in South Africa, yes. We will get him one. Good. It's an important point here of my trip because I will change of continent. I don't know if we can arrange something, if you have some relation with South Africa and to help me pass. Mm. Well, unfortunately, like, I would love to have given you a ticket and say, no, I know this thing. I will speak to SAA. I will tell them that we've met and just try and see. But unfortunately, I can't guarantee anything. Yes, I know this. Le compte de banque était en sec, devait demander de l'appui. Je suis rendu à la moitié de l'appui pour le transport du continent africain. Je suis en train d'étudier pour avoir une autre moitié d'appui. Et puis, samedi, je vais aller rester dans la demeure officielle de la Maison du Canada. Et puis après ça, mardi prochain, le projet, c'est de partir pour l'Afrique du Sud. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bon, ce matin. Ouais, merci. Bon? Oui, hola. Ah, oh, c'est... Tout bon. C'est bon. Normal. Normal. Yes. Merci beaucoup de l'invitation. Non, de rien. C'est super le fun. C'est beau, hein? C'est beau les nouveaux jouets. Bon, on a besoin de l'air. Tu vois, j'ai besoin d'un couteau. Ça. Donc ça va être mon nouveau compagnon pour l'Afrique. Hein? C'est drôle, hein, là? C'est ici. Okay. Drôle, la roue d'en avant est plus petite qu'avant. Le vieux, j'aimerais l'envoyer au Canada. Comme j'envoie mes souliers au Canada à chaque fois. Puis dans le fond, ce que je voudrais faire, c'est mes choses que j'envoie là-bas, j'ai les autographes. J'aimerais les donner à des fondations qui font des encans pour qu'ils puissent ramasser de l'argent. Hein. Donc pour l'instant, je vais l'envoyer là-bas, puis on va laisser passer le temps pour qu'ils prennent de la valeur. Je pars pour l'Afrique. J'imagine le sourire des gens, la force présence de la faune animale, cet autre monde. Elle m'est complètement inconnue. L'explorerai pas à pas. J'ai eu des durs moments dans le milieu de l'Afrique, en Éthiopie. J'envoie un email à Luce, lui disant « Je suis fatigué, je retourne à la maison quelques mois. » Et puis elle me répond « S'il te plaît, continue en avant. T'as trop fait. » Après ça, je me suis dit « Hey, t'es complètement con d'abandonner après tout ce que t'as fait. » J'ai traversé le désert du Soudan. Ça a été joli. C'est aussi d'autres cultures où je me suis senti absolument le bienvenu. C'est assez exotique. C'est ce que je voulais expérimenter, complètement être sur une autre planète. Des del 18 d'agost de l'any 2000. El seu viatge va començar a Montréal, al Canadà. Un marcheur québécois qui est à mi-chemin presque de son périple maintenant. Après 30 pays visités, plus de 36 000 km, on a même de la difficulté à visualiser ça.
Est-ce que c'est l'immensité de la map monde que vous retenez à mi-course? Plus que je marche, plus que je trouve que la Terre rapetisse. 2010 nach 9 verabschiedet sich der Kanadier Jean Béliveau von seinen Kindern, küsst seine Frau und läuft los. Ich war in einer heftigen Midlife-Crisis. Ich musste mein Leben komplett ändern und etwas Neues beginnen. Und irgendwie habe ich es geschafft zu entkommen. Lauf, Forrest, lauf, scherzten seine Kinder bei der Abreise und spielten auf den Filmcharakter Forrest. C'est intéressant de rencontrer des gens qui sont en dehors de notre culture et puis d'apprendre d'eux. C'est comme si, au fil de la route, je ramassais des petites pièces de casse-tête qui me donnent un petit peu une idée du monde, hein, une image du monde, sur différents thèmes. Le thème des politiques, l'environnement, la foi, hein, les croyances. Là, j'ai l'impression que je me sens comme dans une grande université, finalement. Là, je vais à l'école. Dans Mindanao, une région où il y a des conflits là-bas, et ça m'a touché énormément. J'ai marché avec la police 400 km, ça fait pas le premier pays, ça fait le 8e pays que j'ai l'escorte de police avec moi et l'armée. Et ça m'a touché énormément, ces folies qu'on a de s'entretuer pour des terres et puis pour des idéaux. Après les Amériques, après l'Afrique, après l'Europe et l'Asie. Maintenant, c'est la fin de l'Asie. Et je me dirige vers l'Australie, le dernier continent. Là, maintenant, je suis au Timor-Oriental. Depuis que je suis parti, j'ai accumulé plus de 60 000 km dans les talons en 9 ans. Bandeira Timor. Muito obrigado. Nada. Não. Carlos. This is Timor. Yeah. This is Canada. I'm from Canada. You Timor. Timor, Canada friend. Huh? Ce que je peux dire sur la route, c'est que tranquillement, les enfants m'ont apprivoisé à leur propre cause. Cette marche-là, c'est une action qui fait des réactions chez les gens. Finalement, je pense que le gros de la promotion, c'est les gens sur la route qui le font. Au Chili, il y a une dame qui a organisé avec des associations d'enfants une marche où les enfants eux-mêmes avaient des cartes en promouvant leurs droits, les droits de l'enfance. Aux Philippines, ils ont fait une levée de fonds pour les enfants de la rue. On les connaît, les dénonciations. On connaît le travail infantile. Je pense qu'on est tous impliqués dedans. Il n'y a pas personne qui peut dire « eux ». On doit faire une action par nous-mêmes, premièrement peut-être par les achats. D'où vient mon produit que j'achète? Est-ce que l'argent que je donne, est-ce que ça contribue dans le monde pour élever nos systèmes sociaux? OK, là, on vient de faire une crevaison. Et puis, les quatre épines sur un pneu, parce qu'à côté, c'est plein d'épines. C'est tous des arbres épineux, c'est des acacias, tout ça. Tant qu'à faire, on va tout changer. Donc, c'est pour ça qu'il y a des crampons assez proéminents dans les zones désertiques. C'est pas pour de l'attraction. C'est pour éloigner le tube du danger des épines.
Et puis, j'ai jamais vraiment eu de problème. Ce que j'ai eu comme problème, c'est l'axe central des roues qui cassait de temps en temps. En Serbie, il y a eu des gens, un ami que j'ai rencontré, on a mis un tube plein d'aluminium plein tourné. Et puis, bon, depuis ce temps-là, c'est le même tube, ça brisera jamais. Là. C'est pas. Donc, les faiblesses, ils sont presque éliminés de ça, de ce char, sur ce chariot-là. Ai, tem possibilidade para dormir? Tenho. Pode, nossa casa ali. Pode descansar aqui? À noite? Pode. Amanhã? Amanhã pode. Pode. No tengo ritual antes. No hay ritual. No. Ok. ¿Para cuál? No, yo sí. Quiero respetar la costumbre. La costumbre. Ok. Yo puedo llevar por aquí, ¿ok? Ok. Por vos. A mí me te da pena, yo sabe. Si no retira Juan. Ah, más que dejar. Han, papo. Auto si no. Ah, no. Ojalá lo papo. Morning.
pieds ont souffert dans la Chine. Ça a commencé en Iran, où les douleurs au niveau de le coussin du pied, ça faisait une enflure. Et puis, quand je suis rentré en Corée, il y a des gens qui m'ont présenté à l'hôpital Samsung, qui ont vérifié tout ça et ils m'ont donné des orthèses. Et puis, ça, là, je peux dire que ça va beaucoup mieux, mais tu vois, ça fait un an là, de ça. Le gros là-dedans, c'est que je marche toujours. Hein. Je marche 30-35 km par jour, où il n'y a presque pas de repos. Donc, mes pieds ils souffrent tout le temps. Un peu dans les montagnes au Pérou ou même dans les déserts ou les endroits les plus difficiles. Quand on arrive soit à la fin, soit d'un sommet, on regarde l'horizon, c'est tellement beau et des fois on se dit ben, c'est la plus grande émotion qu'on peut vivre dans le monde. C'est toujours comme ça quand je reviens marcher sur le littoral tranquille de la mer. Monte en moi ce profond respect pour elle. Elle fait toujours voyager mon esprit dans des univers divins, de vagues frontières. Comme si ma petitesse se mêle à ces univers imaginaires. Je mourrai pour devenir univers, pour redevenir rivière. Voilà la vie éternelle, l'univers vit. Nikaho, Japon, 29 septembre 2008. Quand j'étais en Belgique, j'ai perdu mon père. Il était malade. Et puis, ça a fait un trou. Parce que dans le fond, mon vieux papa, il m'avait promis qu'il était pour être là, puis il était pas. Il sera pas là. Je me suis un peu senti ingrat dans mon cœur. C'est le salaire à payer d'une marche comme ça. Il y a une fameuse chanson en Espagne qui dit « Caminante no hay camino », c'est assez le camino lambda, ça veut dire « Marcheur, il n'y a pas de chemin, tu fais ton chemin en marchant ». Dans le fond, on est tous des êtres humains qui marchent dans la vie. Je pense qu'il faut trouver un peu notre chemin de vie.